mon objectif, c'est de pouvoir faire en sorte d'évoluer, de faire évoluer ma ville, de la rendre attractive, tout en n'occultant pas la problématique des migrants, parce qu'elle est là, elle existe. Donc il faut apprendre à vivre avec, dans les meilleures conditions possibles. Parce que ça peut être aussi une richesse culturelle exceptionnelle. Toutes les nationalités qui passent, qui sont passées à Calais, laissent des traces. Et donc, ça peut passer par des projets d'exception, où on est vraiment un lieu où on est multilingue. Je sais pas, il peut y avoir 121 nationalités qui sont déjà passées par Calais. On peut en faire des richesses. Donc, mais on peut en faire des richesses. On pourra en faire des richesses qu'au moment où on pourra avoir cette espérance de pouvoir mettre en œuvre nos projets. Et à partir de là, les Calaisiens qui ont déjà beaucoup absorbé, je pense, pourront s'enrichir encore plus de ces populations migrantes. Donc on est vraiment ouvert à tout.